Coucou, ça y est, troisième jour, donc c'est le deuxième vlog. Là j'ai presque fini de monter le premier, donc je verrai quand je les posterai. Soit je les poste un par un, soit je fais tous les montages, je les poste après, je verrai. Et je vais vous montrer l'extérieur de mon hôtel. Là il y a plein de travaux, donc du coup, attendez, je coupe et je vous reprends dès qu'il n'y a plus de voitures qui vont passer. Vous voyez, au-dessus il y a le rooftop avec un tiramisu, j'allais dire n'importe quoi, un jacuzzi. Je suis pas encore allée. Parce que quand je rentre le soir, il est un peu tard et après il ferme à une certaine heure. Je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est vers les minuit, mais je suis pas sûre. Comme ça au moins les gens, après ils restent pas, je cache pas quelle heure et après ben, quand même il y a des gens qui dorment quoi. Donc voilà. Et en fait c'est ça, il y a vraiment toute une montée, il y a des travaux là, etc. Donc je vais descendre, je vais goûter un petit déjeuner. Je connais pas du tout, c'est une boulangerie, donc on va voir ça. Si je vois qu'à l'extérieur ça me semble pas très très bon, je verrai autre chose. Mais ça a l'air pas mal. Je vous montrerai le décor, mais c'est trop beau. Les prix sont moyens, je dirais. Il y a des prix qui sont un peu plus chers, d'autres moins. Je vois ce que je prends et je vous reprends après. Je vous prends caché parce qu'il y a des gens derrière moi. J'ai pris une croissant parce qu'il y avait des trucs, mais c'était vraiment costaud et là j'ai pas trop faim. Donc j'ai pris une croissant et une boisson. Je sais pas quand je vais manger ce midi. Là je vais voir sur mon ordi parce que je vais à un endroit où je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Soit je passe que le matin et je rentre pour midi, je mange vers ici, je fais autre chose, je sais pas du tout. Ou alors je prends un pique-nique, on verra bien. Alors déjà, tu as une deuxième assiette et tout. Bon, il ressemble pas forcément à ce qu'on a en France, mais bon, on va pas leur demander non plus grand chose. Ils m'ont servi, je sais pas pourquoi je me trouve ça, en fait ils m'ont servi le coca devant moi, genre ils sont vraiment trop mimes. Et le restaurant s'appelle Manouche. Ça m'a fait rire, c'est ça que j'ai tilté sur, j'ai trouvé sur Google Maps. Et je vais goûter ça. Vous allez m'entendre, je vous montre un peu. C'est comme ça en fait. Et vraiment il y a toute la terrasse. Je sais pas, je vous allez m'entendre. Là je vais faire deux courses. Parce que là où je vais, je pense pas qu'il y ait grand chose. Et je vais mettre longtemps à arriver, donc c'est mieux que je fasse deux trois courses. Regardez-moi la taille. Je sais pas si vous allez voir, comparé à quelque chose de normal, c'est énorme. Il y a plein de petits paquets. Ouais, tout ça c'est des petits paquets. C'est trop bien. Là je pense que je vais prendre une bouteille d'eau. Je vais prendre... J'aime trop faire le magasin à l'étranger, les petits magasins. Ouais, je prends une bouteille d'eau, ça serait des fruits. J'en ai deux à l'entrée. Quelque chose pour me faire un sandwich, je veux voir ce qu'il y a en fait. Je sais pas si la lumière ça va là. Donc je l'ai parce que moi là, avec la lumière en face je vois rien. Du coup j'ai pas pris à manger, j'ai pris que à boire. Parce que je vais pas me faire de sandwich. Oula, je vais descendre juste en bas. Je vais pas me faire de sandwich. Donc soit je fais là-bas, je fais ma demi-journée, je reviens, je mange ici. Je trouve un snack. Il y a quelques trucs que je sais par là, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je regarde pas ça. Vous allez m'entendre, vraiment il y a tout le temps des voitures, c'est un peu compliqué. Là j'ai pris mon premier bus, j'ai eu de la chance de passer 10-15 minutes après le deuxième. Mais bon, j'ai dû traverser, je vais vous montrer la rue. En fait il y a des passages pratiquement nulle part, c'est à dire que des fois il faut que tu marches 5-10 minutes. Bon j'exagère, mais au moins bien 5 minutes, le temps de faire vraiment tout le tour. Alors qu'il y a un bus, fait un passage piéton en face, enfin, je sais pas. Surtout qu'il y a un arrêt de bus en face. Bref, ça c'est pas trop logique, mais bon. Du coup, ouais, j'ai dû traverser tout machin. Un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer ça. Est-ce que c'est mon bus? Bon, je vais essayer, il y a plein de bus qui arrivent. Vous voyez, c'était en face, c'est hyper compliqué. Bon, on a regardé tout plein les cheveux, parce qu'il y a encore du vent. Je suis à l'abri, je suis à l'arrêt de bus. Je me suis attachée tout, parce que c'est pas possible. C'est trop beau. Bon, c'est vraiment en bus. Hyper long. Je crois que le premier était 25 minutes et lui il mettait 35 de base. Mais enfin 34, mais bon, c'est faux. Mais bah, bien évidemment, les bouchons, les machins, parce qu'ils passent vraiment dans les petits trucs, enfin, c'est horrible. Donc c'est long, c'est très très long. Heureusement que j'avais une batterie externe parce que sinon t'as plus de batterie. Et là je suis du coup vers la plage. En fait, il y a un resto, etc. Donc vu que là il est tard, vraiment ça a mis très longtemps. Que entre les deux bus
Il a mis 10 minutes de retard à venir. Mais vu qu'il fait vraiment tout le long, c'est compréhensible parce qu'avec les bouchons et tout, forcément, ils ont du retard. Donc bon, ça c'est pas très grave. Voilà. C'est Mims. Et là, il y a le resto en fait. Moi, je vais traverser. Normalement, je vais aller en face. Mais je vais voir au pire ce qu'ils proposent comme nourriture. Ah, sinon, il y a celui-là de resto, mais il est un peu caché. 10 euros le burger. Je vais voir l'autre et je vais faire. Sinon, 9 euros la pizza avec la boisson. Tu sais, c'est chaque fois ils font une boisson. Un wrap chicken. Ça, je vais prendre. Ça va, franchement, je vais dire n'importe quoi. Et sauf que lui, en fait, il est vraiment caché. Je vais voir s'il y a une belle vue. Sinon, je me mettrai sur celui-là. Je vais voir ce qu'il propose l'autre. Donc, en fait, en face du resto, il y a des petits endroits bétonnés, vous savez. Comme ça. Je parle pas trop fort, il y a des gens. Donc, c'est cool, je vais mettre là parce que, en fait, il y a des escaliers pour aller directement dans l'eau. Sinon, là-bas, je crois. Là, ici, mon gros doigt zoomé. Ça peut être sympa. Je vais voir ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il doit être au moins 13h presque là déjà. Avec 6 heures de bus, là, j'en pouvais plus. Je vais voir, parce que là ça a l'air avantageux, je vais voir le deuxième. Finalement je suis allée au restaurant, le premier que je vous ai montré. L'autre était en plein soleil, lui il est fermé, il y a des pantalons et tout, enfin, parce qu'il fait trop chaud. Et la vue elle est trop belle. Moi j'avais déjà une boisson donc j'ai pas pris à boire, j'ai de l'eau aussi. En plus il y avait déjà 2-3 personnes mais je voyais pas de l'extérieur en fait. Tout le monde est à la plage en mode au resto de plage mais il fait trop chaud. Donc j'ai pris une pizza champignon, voilà, tout simple. Cette vue j'adore. Donc j'ai reçu la pizza, je vais goûter, on va manger, je sais ce que l'on pense. Ça y est, je suis sortie, il doit être 13h30, quelque chose comme ça, en fait presque 14h même. Donc là c'est quand on arrive du bus, on va à la resto et moi je vais me mettre ici. J'espère qu'il n'y a pas du monde qui s'est mis là où j'étais, là où je voulais mettre parce que du coup c'est un peu nul, c'est un endroit un peu tranquille. Donc s'il y a du monde c'est bof, sinon je vais me mettre sur la plage. Il y a plein d'apports grand monde depuis. Je quitte cet endroit, je vous mettrai la petite, le petit nom comme d'hab. Je me suis baignée une fois et là j'ai juste trempé les pieds histoire de me rafraîchir et je vais marcher. Je vais voir si je vais jusqu'à tout au bout ou si je monte, je sais pas, je vais voir encore, je sais pas trop. Mais ça a l'air calme là-bas. Du coup en fait les collines elles sont juste là. Mais je vais pas remonter là, je vais aller prendre mon bus. Parce qu'il y a des bus toutes les 30 minutes et en fait je vais y aller même si j'ai vu. Moi je voulais le voir d'en face en fait. Parce que de en haut on a la vue là donc ça m'intéresse pas forcément. Après vous pouvez quand même aller hein, si vous venez. Là je vais retourner à mon bus. Et du coup oui il y a quand même deux restos. Un troisième qui est à côté mais lui je sais pas ce qu'il faisait, je suis juste allé prendre à boire. Donc franchement c'est bien mais c'est mieux si vous. Enfin, si vous êtes à plusieurs, prenez un taxi quoi, enfin un Uber. Coucou, ça y est, quatrième jour, ça passe déjà vite. Je suis en plein soleil, mais sinon vous voyez rien. Du coup, hier je vous ai laissé, je marche en même temps. Je vous ai laissé, du coup vous allez rien voir, mais bon, j'avance. Je vous ai laissé du coup sur le resto, mais je pense pas que la vidéo soit potable. Donc, sinon j'ai filmé vraiment quelques secondes. Après, je suis rentrée. Après 2 heures d'attente du bus, j'en pouvais plus. Il était bon, je vous mettrai le nom des photos si j'en trouve sur Google, etc. J'avais déjà noté ce resto en fait pour le faire, mais au final quand je passais devant, j'ai regardé et en fait du coup j'ai dit go allons manger. Et c'est après en regardant que je me suis dit mais il me dit quelque chose ce resto. En fait il était bon, vraiment pas cher, j'ai payé 9,50€ mes pâtes, en tout je crois que j'ai payé 11,50€, non 13,50€, je sais plus combien j'ai payé. Je regarderai parce que ça me dit voir, c'était 10€ les pâtes. C'était moins de 10€, c'était sûr. Et j'ai pris une boisson. Donc voilà, là je vais descendre prendre le petit déj. Et je vous raconterai le périple de la journée à venir. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette vue.
En fait, oula, mon premier bus s'est arrêté en face. Tu traverses et tu prends un bus, donc c'est le 101, j'allais dire une navette, mais c'est un bus, et qui vous amène directement à Popeye Village en fait. Mais sinon, vous pouvez vous arrêter ici et prendre une heure après, deux heures après, ce que vous voulez. Et moi, je passais, je pense, une bonne partie de la journée à Popeye Village. À côté, il y a plein de falaises et tout, c'est vraiment très très beau pour faire des photos. Donc après, je me baladerai. Peut-être que je reviendrai ici, je sais pas, je vais voir. Ça y est, je me suis installée. D'ailleurs, moi, à chaque fois, je prends ça. C'est des petites serviettes, vous savez, à Décathlon. Ça se range, ça prend vraiment pas de place comparé aux serviettes de plage. En plus, c'est bien, il y a une petite musique et tout. J'adore. Et vraiment, vous en avez pas mal. Quand je me suis mis à Londres, il y a plein de trucs pour prendre à boire. Il y a un restaurant en bas, il y a un stand, je vais appeler ça comme ça. Et c'est cool si tu as des jeux comme ça. Là, vous avez un endroit pour vous caler au soleil. Et de l'autre côté, en fait, là-bas, je vais vous montrer, mais on peut y accéder hors du parc. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez pas payer la vue, enfin, payer le parc parce que ça vous intéresse pas forcément et que vous voulez voir cet endroit, ben, vous pouvez complètement. Moi, je sais que j'avais fait la visite avec un groupe parce que vu que je viens seul, ben, il m'avait dit bien et tout, etc. Et c'était tout sympa. Et d'ailleurs, ça me rappelle tout, c'est trop drôle. Et je fais que de dire, cherche mes mots, c'est impressionnant. Un jour, on avait mangé ensemble et tout. Bon, 11 euros, ça valait tout le coup, parce que vraiment, il n'y avait personne. Là, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais elle nous avait expliqué, mais vu que mon anglais est approximatif, et que j'ai parlé avec un monsieur hier ou avant-hier. Et en fait, en gros, il m'a raconté l'histoire, il avait tourné le film, et tout cassé, ils avaient fait un parc. Donc, je trouve ça cool. Donc voilà. J'ai pas vu le film, j'aimerais parce que Popeye Village c'est pas mon truc. C'est pas un film qui m'appelle comme ça, je pourrais le voir un jour, mais j'avais vu le parc par rapport aux photos et pas par rapport au film en fait de base. Donc voilà. Là vous avez un escalier, moi je descendrai par là. Là il y a des escaliers, mais je vous avouerai que voilà, ils ont l'air un peu glissants. En fait, moi quand j'étais venue en mai, c'était à table. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a du monde ou ça a totalement changé, mais en fait c'est comme dans les tacos et tout, ça va vibrer et il fallait chercher. J'ai pris un hamburger avec du poulet et des frites, voilà. Et je n'ai pas pris à boire parce que j'ai de l'eau. C'est trop trop bien. Donc là j'ai pris ça. En fait je me suis trompée, j'ai pris un truc au bœuf. C'est moi, j'ai n'importe quoi. Moi c'est certain des assiettes, donc je pense que là ça a complètement changé. Mais bon, après ça, c'est dommage de s'arrêter dans ça, mais bon. Il me donne des sauces découvertes. Thank you.
cette maison, il me semble. Et ce que je vais nous montrer, en fait, c'était le musée, ça y était pas non plus. Cette maison, elle est incroyable, mais un fantôme. Donc ça, bien sûr, vous n'avez pas le droit d'y aller, parce que vu les planches, je pense pas qu'on peut faire le retour. Hein. Là, je pense qu'ils vont faire quelque chose, ou alors ils ont fait quelque chose. C'était une terrasse. Ça y était pas non plus. Bon, je pense qu'ils vont faire l'agrandissement, parce qu'il y a un resto là qui n'y était pas non plus. Tout du moins, qui devait être fermé. J'adore cette vue. C'est vraiment mon endroit préféré de Malte. Après, voilà, pour le moment, parce que j'ai des trucs que je n'ai pas fait encore. J'adore. On va faire la maison. Donc vous voyez pas, mais en fait elle est dedans. Il y a quelqu'un qui surveille, moi il y avait personne, donc je pense que c'est en fonction de la saison. C'est cool, mais vraiment elle est vraiment presque dans la piscine, donc si je vais aller seule, je vais être un peu gênée. Mais bon, on s'en fout. Il y en a plein. Il me semble qu'ils ont rajouté des transats parce que j'avais grave de l'espace quand j'étais venue. Et là vraiment, ils sont tous collés. Vous voyez. Mais bon, franchement, c'est qu'en arrivant, vous voyez, il y a personne. Il y a 4 personnes sur les transats. Donc les transats, hein, j'ai un accent qui ressort, mais c'est vraiment trop beau, j'adore moi. Hop, on se faufile. Vous voyez, en fait, il faut vraiment regarder dans tous les petits endroits, parce que là, vous voyez, il y a un jeu pour enfants, mais il a vu en fait. Après, quand vous avez des enfants, c'est cool, mais on va se voir, c'est un petit chemin d'escalier, etc. J'adore. Là, vous avez en fait le cinéma. Et c'est là que vous allez récupérer vos pop-corn en fait. Avec le ticket gratuit. Vous avez là aussi le magasin de souvenirs. Et c'est là où ils vous donnent les cartes postales. Et là, vous avez souvent des spectacles. Là, vous montez en haut, vous avez la vue. Moi, je vais redescendre en bas. Alors, je viens de sortir du cinéma. Il est juste là, il y a marqué cinéma. Il est juste à côté du premier restaurant quand vous sortez. Et j'ai eu, oh, si je vous montre pas, les pop-corn en fait. Et vous avez un pot de sucre, un pot de sel. Et vous choisissez. Vous prenez votre petit ticket en fait, qui vous donne à l'entrée avec votre carte postale et votre. Et vos pop-corn en fait offerts. Ça reste bien. Et vous allez tout simplement les chercher. Voilà. Alors j'ai pris celle-là, elle est trop mignonne, j'en avais déjà d'autres, donc j'ai pris celle-ci, je suis déjà venue quoi. Et là je vais remonter, et le parc il ferme à 18h en fait, de ce que j'ai vu. Donc je remonte, je vais aux falaises, comme ça moi je rate pas mon bus, je me porte pas la poisse. Hein. Avec le soleil c'est trop beau. Il y a plein de gens qui ont écrit sur les murs et tout. Alors qu'il y a un cahier. Ouais. J'ai posé mes affaires.
Je me suis assise ici pour faire un TikTok. Bon, il y a quelque chose, sinon je ne serais pas mise là, pas à tarer. Parce que là, je pense que de toute façon, tu tombes en bas. Donc après, quand vous partez, vous continuez en fait la route. Voilà, il y a un parking. Donc vous continuez, en fait, vous longez le parking. Je pense que vous pouvez couper au parking. Mais c'est vraiment des petits chemins comme ça. Alors que si vous longez, ben, vous êtes tranquille. Et après, vous avez ce petit chemin, en fait. Et donc, en fait, vous avez le chemin où je vais aller, moi, là. Et le chemin que je vous parlais, je vais pas être. Sinon, je vais attendre une heure de plus pour mon bus. Et pour me poser 5 minutes, ça sert à rien, je vais pas me rebaigner. Je vais être trempée. Donc vraiment, c'est une route. Hein. Vous descendez. Et en fait, vous êtes au final là-bas. Donc si jamais vous voulez vraiment pas aller au parc et tout, que vous avez juste passé une heure ici, puis vous descendez, vous baignez, et puis voilà. Mais après, voilà, s'il y a des enfants ou quoi, c'est un peu, ça crée un peu, moi, je le ferai pas. Mais seul, adulte, oui, tu peux, franchement. Après, il faut savoir nager, quoi. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, mais c'est trop beau. Là, hop, il y a là-bas aussi. Incroyable, j'adore ce moment. Hop, je baisse parce qu'il y a le soleil en face. Compliqué. J'adore. Ça va passer un petit peu. Ça fait péter la gueule. Vous devez vous dire, est-ce que le jour? Oui, en fait, on est le lendemain. Donc, je vais fermer ce vlog maintenant. Je me suis endormie. Après, je me suis réveillée, mais il était extrêmement tard dans la nuit. Donc, voilà, c'est pas très grave. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.